Ah ben nous y voici à 20 secondes maintenant du départ. Et on s'engage dans le droit après le virage à l'ouest. Et là, vraiment, on veut tous prendre un excellent départ. 10 secondes maintenant. C'est Charrette qui est en avant, mais on a une poussée du récupération Mario Hart. Et voilà, c'est parti, tout est bon. Lemelin à l'extérieur, une bonne accélération. Attention à ce virage, toujours très important. Il y avait Guillaume Charest qui était là, là. Guillaume Charest qui est... Caroline Dehou qui a immobilisé son embarcation pendant que Yann Lecomte, toute une accélération. Yann Lecomte avec Charest et Mathieu Lemelin. Attention à ce virage, toujours très dangereux. Et là, ça passe assez bien, merci. Les pilotes qui en ont pris large, et, mais on regarde le, à la sortie du virage. C'est l'oiseau là. Bleu. Attention, non, c'est... Récupération Mario Hart, ouais. Yann Lecomte, une bonne accélération. Yann Lecomte. Toujours un bon premier et on pilote très bien là-dessus. Charrette est à l'intérieur, mais il semble qu'au niveau des sorties de virage, là, la récupération Mario Hart est plus de puissance. Il y a même Lemelin là, qui, lui, est à l'extérieur, mais il semble vouloir aller se bagarrer avec Charrette. Voilà, Charrette qui perd un peu de vitesse. Et ça sera Lemelin qui va le surclasser au virage, mais il reste que Charrette est très près d'ébroué. Donc, peut toujours mieux s'en sortir. On a une belle bagarre à trois et Lemelin qui semble qui va prendre la deuxième position devant Charrette. Et voilà, c'est fait pour Lemelin. Alors que Yann Lecomte est bon premier. C'est Charrette qui remonte. Et à son deuxième tour, 104,13 km/h pour la récupération Mario Hart, pendant qu'Yves Villeneuve lui est immobilisé dans la portion ouest du parcours. Le tour le plus rapide jusqu'à présent, Mathieu Lemelin, 104,86 km/h. Ben, Mathieu Lemelin là, qui va bien se positionner. Alors que c'est Yann Lecomte qui est bon premier, Charrette qui remonte, mais attention derrière, à l'oiseau bleu. Il semble vouloir prendre l'intérieur et Charrette, qui balance sur ses pontons. L'oiseau bleu, le très serré à l'intérieur, qui peut causer une surprise. Et voilà, c'est fait. Oh, eh bien, on a une nouvelle bagarre ici. Il est même deuxième, là. L'oiseau bleu qui a fait une remontée absolument incroyable, Nicolas Rousse. Eh bien, qui a fait honneur à son équipe, là. On est allé coller les bouées et de l'intérieur, là, semble beaucoup plus à l'aise. Attention toujours au virage et quelle performance de Rousse, Nicolas Rousse, qui lui, très près à l'intérieur, là, fait une course de tous les instants. Il l'avait oublié carrément, celui-là. Il semblait à l'extérieur et il semblait vouloir conserver sa quatrième position, mais une fulgurante accélération au cours du dernier tour. Il est allé chercher 108. Attention, il remonte, là. 108 km/h. Sur Yann Lecomte, et voilà, à l'intérieur au virage. Pour ce dernier tour, et Nicolas Rousse, ah ben là, ça c'est vraiment... Quelle performance! Une performance qui l'honore, là. Mais Yann Lecomte n'est pas compté pour battu. Le voilà qui remonte. Et on est nez à nez avec un tour à faire. Et ça serait intéressant de voir, attention, à l'avant-dernier virage. À l'intérieur, Nicolas Rousse, qui colle les bouées. Il est allé chercher 110,26 km/h à son dernier tour. La vitesse la plus rapide aujourd'hui en 2,5 litres. Eh bien, Nicolas Rousse qui est premier, mais assez trop. Et là, ça sera un moment déterminant. Est-ce que Yann Lecomte pourra remonter sur Nicolas Rousse? On tente une dernière poussée. Rousse, qui avec une mécanique impeccable, s'approche du dernier virage. Alors qu'on s'apprête à sortir le drapeau à damier, Nicolas Rousse... Son virage fait à la perfection. On s'engage dans le droit. On pousse la machine au maximum. Et voilà, c'est fait, Nicolas Rousse. Une extraordinaire victoire de la part de ce dernier, l'Oiseau Bleu, et de toute l'équipe.
Oui, et en 4 minutes 34, c'est le temps le plus rapide qu'on a connu aujourd'hui. Et autant pour lui que pour Yann Lecomte, c'est des classements excessivement intéressants. On avait dû abandonner plus tôt ce matin. Et là, on vient chercher de précieux points. 25 points pour l'Oiseau Bleu, 21 pour la récupération Mario Hart. Et pour Mathieu Lemelin, qui lui, quand même, partait dans le sixième corridor, on ajoute 18 points après une victoire ce matin. Donc lui, très bien positionné là, en vue de la finale. Mais pour Rousse et Lecomte, là, des résultats incroyables.